Sizeman à la salle, Sizeman. Il est dans la salle ce soir, on le salue. Big up. Big up. Crash à part terre, ambiance crack, size aux manettes. Pense à tes poids, on t'assaisonne même sans anette. Yeah. Ce qui leur manque, c'est nos centimètres. Duplicata, elles font toutes le même caca, human centipede. Le beat, le flow, double fist, ambidextre. Maintenant les vilaines s'adaptent, elles naissent sans y mettre. Tu veux des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des complications. Tu veux des problèmes, Houston, Houston. LGP la grosse paire, LGP la grosse paire, LGP la grosse paire, LGP la grosse paire, LGP la grosse paire. I write Jeru, and I started doing that in 1993, so it's been over 20 years now, and I come from Stuttgart in the south of Germany. I saw that people just go and paint something in the public space, and I was like, wow, you can do that? Okay, I'm gonna do that. The art form could evolve, and I knew I want to be someone who takes it from the roots and want to see where it leads. So after like 10, 15 years of painting graffiti, I thought, like, okay, now letters and colors, this is what I was all about in the last 15 years. Now I want to see how I can work with the backgrounds and maybe some characters to be a complete graffiti writer. I want to create something new, like the power of the colors of graffiti and the power of the line from Art Deco. So I want to create that. I like the concept of the wall that we're painting because it's actually what I like to do myself, like take nature and take the ugly civilization stuff like trash and things that are left over, wasteland, and bring it together, like the contrast of the ugly industrial and the nice beautiful nature. And this is what I like to do, so I actually am looking forward to the result because I like the cars and they look really fresh. And so I'm really interested in seeing how it's gonna be like. So there are really good artists here, and I'm really happy to be here. Alors, je viens de banlieue sud de Paris. Ça fait 17 ans que je peins et j'ai 32 ans. J'ai commencé le graffiti par le biais du basket. J'avais des potes au basket qui graffaient, trois potes qui graffaient. Et du coup, ils savaient que j'aimais dessiner des persos notamment. Et ils m'ont dit, tiens, tu veux pas faire nos persos dans nos fresques? Et c'est comme ça qu'on a commencé à partir dans les terrains vagues, les usines abandonnées et tout. Avant, je faisais beaucoup de portraits, notamment des portraits de femmes que je trouvais dans les magazines, des portraits de mannequins, etc. La plupart du temps, c'était ça. Puis, il y a quelques années, ça a commencé à me saouler, en fait, de faire la même chose. Et puis, j'avais envie surtout de faire passer des messages, en fait. Les gens qui m'ont donné envie vraiment de commencer à peindre, c'était Mode 2, Alex des Mac, il y a Marco qui a énormément influencé, Marco 93 qui a énormément influencé le graffiti via les calligraphies, body paint, plein de choses, live painting, etc. Bomka, Dran, les dédicaces au Crew 3PP. Le flow, est-ce que ça va ou pas? J'entends rien! Le flow, est-ce que ça va ou pas?
t'as vu qui c'est? Ce gros lard mal sapé. Avant de dire du mal de moi, bonhomme, révise ton alphabet. Crois pas que c'était Jordan qui prend ton samedi soir. Mes classiques sont pas des Reebok blanches, mais des Stan Smith noirs. Pas l'histoire, je reste le même sale crevard. Si t'es le même sap à chaque fois que tu me vois, c'est pas le hasard. C'est pas demain le grand soir où tu me verras porter un slim. Moi je ne comprends pas le mot soir, je me dis que c'est peut-être un signe. Car je suis pas dans la tendance, plutôt tendancieux. Moi je fais du hip hop, mon mot des t-shirts blancs. En mieux. Et moi la phase, on prend le hip hop, à la base, on remet le beatbox. À la page, voilà le big yosh et le fire breath. Ça fait hou, ha, hou, hou, hou. J'entends pas hou, hou. Ouh, ouh, ha. Boum tchakalaka, c'est le gros dino qui débarque et se flingue. Avec un flow de dingue et tu ne peux pas nier la qualité de tout ce que l'on apporte depuis. Sous 80 millions d'années, hip-hop, mon mode de vie. J'ai mis toutes sortes de vis, sortes de devises. Force de côtoyer toutes formes de chevises. Ce hip-hop, mes frères, j'aimerais bouger les têtes en place et mettre au top mes frères. Afin de plus entendre dire que les rap étaient mieux avant. La qualité est toujours râle, mais y'a trop de merde à vendre. Donc avant de trouver la reconnaissance, faut sortir de la base en se débattant dans tous les sens. Dans tous les cas, ça reste technique. Pourquoi tu t'excites? C'est un changement de cycle. Hoi, je suis le plus ancien et le plus dans le coup. Mais ça n'a strictement aucun sens. Moi, c'est Défaut, Défaut 84. Et je peins depuis, dans mon jargon, depuis 92, depuis 92. Tous les pays limitrophes à la Belgique sont des pays importants de la scène graffiti old school. C'était surtout la Hollande et la France, on va dire, tu vois. Dans la première vague de graffiti bruxellois, quand les gens ils pouvaient partir à Paris, c'était quand ils revenaient avec quelque chose de différent. Mais la plupart des gens, ils partaient en Hollande. Donc on a vraiment un mélange entre les deux styles. On tag beaucoup le style hollandais, tu vois, qui s'est calligraphié différemment. Mais sinon, au niveau de la France, on a toujours été un peu en retard. Il y a des fois où je sketch, et justement j'ai l'impression que quand je sketch, c'est plus figé parce que je suis obligé de m'adapter à quelque chose. Tu vois, tandis que si je me laisse aller comme hier par exemple, où j'avais la flemme, et je me suis dit, putain, oh non, je vais pas regarder, j'avais pas tellement d'éléments avec moi non plus, donc je me suis laissé aller, mais ça passe ou ça casse, et je pense que la partie, elle était bien commencée. Après, il faut voir aujourd'hui comment ça va se dérouler, quoi. Tsunami, ça c'est très récent par rapport à l'histoire. On va dire c'est la rencontre avec Ace B qui a permis de se dire on va faire un collectif, plus un collectif qu'un groupe en fait. Les gens qui peinent régulièrement ensemble ont des petites particularités comme ça, ils évoluent ensemble, donc ils ont des atomes crochus artistiques, tu vois. Ok, c'est le Big Yosh, The Original, avec ma main Firebraz, hey. The Beat and The Voice. On était là pour la putain de Big Session. Big up à la sauce Epsilon, big up Welsh Records, tous ceux qui étaient d'ailleurs. Big up au Flo qui nous a bien accueillis, on a passé un bon moment. Lille, on revient bientôt, on espère. The Beat and The Voice.